ils doivent sécuriser la sous-région. C'est-à-dire prendre des dispositions qu'on aurait pu prendre à l'époque de l'histoire de Tutsi et de Hutu. Parce que l'histoire est en train d'aller à la répétition. L'histoire qu'on a vécue avec les Tutsi et les Hutu venant de la guerre qu'il y avait au Rwanda là-bas, génocide, ils sont entrés au Congo et aujourd'hui ils déclarent Minembwe et tout. Suivez la vidéo que j'ai faite où j'ai parlé de perdre une partie, mais qui n'est pas Minembwe. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Le Congo est au point de perdre une partie, mais qui n'est pas Minembwe. Alors, réveillons-nous et tout ça, là, très attention. Je parle, là, vous, les gens sont en train de me suivre. J'ai des messages qui datent du 14 mars 2019 que j'ai écrit aux personnes proches du président. Voilà ce qui va se passer. Voilà, il se passera ça. Faites attention. Dites au président, dites aux autorités de surveiller la sous-région, de sécuriser la sous-région. Parce que bientôt, nous risquerons de vivre une guerre qui va commencer au centre, en Centrafrique, à la République Centrafrique. Et cette guerre est côte à RDC. Cabinet de santé nationale, puissante, chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, Nazali naturothérapeute, Nazali Kosura Bandeko Bazali Naboko. Au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza n'a pas problème, il y a des hémorroïdes internes tout comme externes. Infection urinaire, prostate, azospermique, obota, ésalité, rhumatisme, nerfs sciatiques, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutou pas si intense, sinusite. Awa, naza n'a pas de laboratoire. Ah, on est bisca na sécha kaba plante. Banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga ya ngoyo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na ekipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolawa. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maï Ndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le biko na bino et singo na biso. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Il y a certains, dans l'habitude, on a l'habitude de moi, nous sommes à Boutou. En tout cas, de tout cœur, merci beaucoup. Et meilleurs voeux, à la Boutou, où vous avez un habitude et Longo. En tout cas, infiniment merci à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci à maman Marie M5 depuis Liège. Merci prophète et commandant chef Blanchard Kadhafi qui séjourne du côté de l'Angola. Merci à Nabande Kouza, tellement ébélé Oyo. Bozala Ranabiso et Longo, Bosuke Narabiso, en tout cas de tout cœur, merci beaucoup. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons la prise de vue, Gédéon Loi est là. Et la réalisation est assurée par Jordan Panzou, Jonan Zouzi.
Et c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Nous avons ce rôle plaisir d'avoir sur ce plateau pour la énième fois un serviteur de Dieu. Comme je vous ai toujours dit, j'aime sa façon, j'aime son attitude, sa façon de faire les choses et sa façon également de communiquer parce que la manière elle est assez particulière. Tout le monde a un onzambe, a pensé là et les cabos, a pensé là le lingue au salamakambo. Il est avec nous sur ce plateau. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est lui qui nous reçoit, mais qui nous offre quand même le, l'église comme étant en plateau. Voilà, tout le monde a un décor qui toco. Donc, tout ça, on a Emmanuel Rafa Church, bien sûr, qui est dirigé par le prophète Fulgence Paul Koussou. Au Toyeba depuis MPD, donc Toyeba déjà, Tilelo. Il y a un cas qui est au côté de la Kabouanité. Il y a une structure où ils allaient dirigés par. Yemoko, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain. Santé bonne, papa. Ouais, santé, ça va. Angolo, santé. 2021, déjà, toujours continué. Et dans quelques jours, nous allons clôturer le mois de janvier, le tout premier mois de cette année. Deuxième mois de Okota. Quelle est la vision avez-vous par rapport au deuxième mois de Okota et ainsi de suite? Bon, comme je l'ai dit, bon, malheureusement, permettait surtout ça arrivé hanté, mais pendant notre culte il y a les 31, j'ai essayé de donner des messages mensuels, comment les choses vont se passer là-bas moi. Et le mois de février sera un mois assez particulier. Il y aura un mois où le monde sera très discipliné. Donc le système du monde imposera une discipline. Au monde, je sais pas comment expliquer ça. Moni, aujourd'hui, c'est qui parce que j'ai suivi l'autre fois, même si le français était là, le malingala. Bon, voilà, là on sent l'effort, mais quand on fait l'émission en français, c'est pour que aussi tout le monde. Il y a des gens qui parlent swahili qui ne parlent pas lingala, donc il faut seulement qu'on le fasse en français. Donc, excusez-nous, supportez-moi qui. Et Nazalaming et Mingina français. De temps à autre, on va glisser quelque chose. On va glisser en lingala, aussi swahili peut-être. Okay. Ce sera un mois, mois de janvier, c'était un mois où les gens étaient en train de d'écrire. C'est comme un règlement d'ordre intérieur de l'année. Qu'est-ce sera l'année? Comment l'année va évoluer? Comment les choses vont évoluer? Je l'ai dit, bon, en passant, tout dépendait des élections des États-Unis. La façon dont le monde serait défini en 2021 dépendait totalement des élections des États-Unis. Voilà, aujourd'hui qu'il y a déjà élection, il y a un président élu et il y a ce qui s'est passé. Donc le mois de février sera plus le mois des décisions, des grandes décisions. D'application de grandes décisions. Le mois de janvier, il n'y a pas eu d'application. Le mois de janvier, on a appliqué des lois de l'année passée. Mais le mois de février sera le mois où il y aura de Mibé Kwasika. Donc Mibé Kwasika, n'engeni monde, il faut évoluer. Et banana mois de février. Alors. On peut s'amuser qu'on a mois de février, mais application dans le mars, à partir du 15 mars, le 13 déjà, il y aura devant. Et puis, Tito Koti, le 15 mars matin, le monde aura une autre direction et puis une autre définition. Donc, voilà. D'une manière générale, c'est ça. Dans le mois de février, mais mois de février, ça moi y a bah mibeko et pesama, mais mibeko ango et bah koko kisayango après février, ils en a 4 février, mais à fin février début mars les mibeko monde pour pesa et aux sens. Ok, merci beaucoup homme de Dieu, mais en parlant des élections bien sûr des États-Unis, alors je voudrais qu'on traîne un tout petit peu là. Avant tout avancer sur d'autres points. Je me rappelle vous avoir suivi et vous avez dit Donald Trump était un choix de Dieu. Je le confirme encore maintenant. Bien que vous n'avez pas dit qu'il sera président. Ça c'est. Je contrôle bien parce que je maîtrise bien la chose. Vous avez dit c'était un choix de Dieu. Aujourd'hui, à la tête des États-Unis, il y a Joe Biden. Qui est le président, l'actuel président des États-Unis.
Donald Trump, choix de Dieu. Joe Biden, qui n'est pas un choix de Dieu, s'il faut le dire ainsi. Quels sont les événements ou que va traverser les États-Unis dans le jour à venir? Bon, je réponds d'abord. Je crois qu'il y a une vidéo, j'ai prophétisé. Le jour où j'ai parlé de c'est le même jour où j'ai prophétisé d'ailleurs qu'il y aura couvre-feu et tout. C'est le même jour après, j'ai parlé des élections des États-Unis. L'erreur que les Américains ont commise, c'est de ne pas voter Donald Trump. Il y a eu tricherie, il y a eu tout ce qu'il y a eu, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, la victoire de Donald Trump dépendait de prières de saints et de prières de l'Église. Les gens de l'Église n'ont pas compris que cet homme était envoyé de Dieu. Nous, Africains, j'ai de la famille, comme je le dis toujours, j'ai des amis aux États-Unis, on voit des intérêts. En fait, le média, je ne suis pas là en train de défendre Donald Trump ou de parler de Donald Trump, je parle de Jésus. Le média a présenté cet homme autrement. Cet homme, malgré ses folies, malgré ses crises, malgré ce qu'il était, Dieu voulait qu'il soit ainsi comme quelqu'un qui moutouait ça la aliente pour empêcher beaucoup de plans sataniques de s'accomplir dans le monde. Vous comprenez? C'était grâce à ces messieurs. Et j'ai dit pendant cette vidéo, priez pour que Donald Trump, le plan de l'ennemi, échoue. Dieu me dit, prions pour que Donald Trump soit président aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, la volonté permissive veut dire Dieu a permis. Il n'est pas d'accord, mais il a permis quand même. Il n'est pas d'accord, ce n'est pas à l'un d'eux les choix de Dieu, mais comme le peuple demande à l'un d'eux, bon, je permets quand même. Okay. Alors que la volonté parfaite, c'est ce que Dieu voulait et ce que Dieu a imposé. Dieu dit, je laisse devant toi la vie et la mort. Il laisse à l'homme l'occasion de faire le choix. Et bon, pour revenir à la question, Donald Trump aujourd'hui n'est plus président. Le président, c'est Joe Biden. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? À partir du 25 de ces mois, sur les réseaux sociaux, partout, nous allons voir, il y aura d'autres États qui vont commencer à poursuivre Donald Trump. C'est ce que j'avais vu, j'ai parlé de ça l'année passée. C'est-à-dire après l'élection de Joe Biden, si Joe Biden a eu le pouvoir, il y aura des États qui vont contester le pouvoir de Joe Biden et il y aura de procès contre lui, il y aura des gens qui vont s'élever, des États. Il y aura même de fédéraux qui vont porter plainte contre l'administration de Donald Trump. Et puis, en dehors de ça, les États-Unis sera maintenant comme au moins des Congo et Zala, Afrique et Zala, okay. Les troubles et les soulèvements, les troubles et les opposants. Vous voyez un peu cette tendance opposition, il y a balabala. C'est ce qu'on va vivre aux États-Unis. Vous voyez cette tendance opposition, il y a pillage. C'est ce qu'on va vivre aux États-Unis. C'est ce que les Américains vont vivre. Parce que ces messieurs viendront avec des systèmes qui ne va pas plaire aux Américains. Le même personne qui l'ont voté, le même personne qui l'ont acclamé, au mois de février déjà, ils vont commencer à regretter. Ils vont commencer à regretter, surtout par rapport à cette histoire de pandémie et tout et tout. Beaucoup vont regretter d'avoir voté cet homme. Beaucoup vont regretter d'avoir soutenu cet homme. Voilà. Moi, j'avais dit, Donald Trump est le choix de Dieu. Dieu voulait encore Donald Trump pour retarder le plan de l'ennemi aux États-Unis. Voilà, les gens n'ont pas compris ça. Les gens n'ont pas compris. S'il fallait recommencer, moi, je continuais à prier. Si Dieu avait permis qu'il y ait contestation, élection, il a donné aux enfants de Dieu la chance de se rattraper, de prier et de voter cet homme. Mais les gens n'ont toujours pas compris. Voilà. On est allé, on a voté Joe Biden. Ouais, on a voté Joe Biden, mais comprenez une chose. Joe Biden est devenu président. La présidence de Joe Biden risquera à notre pays, le pays, la RDC. Il y aura une guerre. Je parlais de ça il y a 2 ans. Il y aura une guerre qui va s'élever à Bangui, Équateur, du côté de l'Équateur. Ok, du côté de la République Centrafricaine. République Centrafrique et RDC du côté de l'Équateur. Okay. Il y aura des choses qui vont se passer là-bas. Je dis ça, j'ai des conversations, je t'ai fait lire tout à l'heure. Je vais te faire lire ça tout à l'heure. J'ai écrit ça à un proche du président.
Je l'ai écrit, j'ai dit il faut contrôler la sous-région. Il faut sécuriser cette partie parce qu'une guerre s'annonce. Bon, j'ai insisté, mais bon, comme les gens pensent toujours que j'ai besoin d'un $100 ou d'une Jeep, et on me prend pas vraiment au sérieux quand je donne des messages comme ça. Mais voilà, pour être bref, il y aura des troubles aux États-Unis, il y aura des contestations, il y aura des marches, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pendant le règne de Joe Biden. Pendant le règne de Joe Biden, les choses vont se passer très... Ça sera très compliqué, très bizarre. Et il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons prendre un deuxième point. Et en parlant des États-Unis, c'est vrai que nous avons également lié aussi la RDC dans le même fil d'idées. Qu'est-ce que les autorités doivent faire effectivement pour empêcher que ces plans puissent se réaliser en République démocratique du Congo, précisément vers l'Équateur? Ils doivent sécuriser la sous-région, c'est-à-dire prendre des dispositions qu'on aurait pu prendre à l'époque de l'histoire des Tutsis et des Hutus. Parce que l'histoire est en train d'aller à la répétition. L'histoire qu'on a vécue avec les Tutsis et les Hutus venant de la guerre qu'il y avait au Rwanda là-bas, génocide, ils sont entrés au Congo et aujourd'hui ils déclarent Minembwe et tout. Suivez la vidéo que j'ai faite où j'ai parlé de perdre une partie, mais qui n'est pas Minembwe. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Le Congo est au point de perdre une partie, mais qui n'est pas Minembwe. Alors, réveillons-nous et tout ça, là, très attention. Je parle, là, vous, les gens sont en train de me suivre. J'ai des messages qui datent du 14 mars 2019 que j'ai écrit aux personnes proches du président. Voilà ce qui va se passer. Voilà, il se passera ça. Faites attention. Dites au président, dites aux autorités de surveiller la sous-région, de sécuriser la sous-région. Parce que bientôt, nous risquerons de vivre une guerre qui va commencer au centre, en Centrafrique, à la République Centrafrique. Et cette guerre est côte à RDC. Parce que derrière cette guerre, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière la guerre de l'Est. Et ce sont les mêmes personnes qui sont derrière la guerre qui est en train de s'annoncer du côté de l'Équateur, du côté de Bangui là-bas. Il y a une guerre qui s'annonce, il y a une guerre. Avant qu'il ne soit trop tard avec cette histoire des réfugiés et tout. Je ne dis pas que le Congo ferme ses frontières aux réfugiés, mais les Congolais doivent prendre des dispositions, les autorités doivent prendre des dispositions avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que là, c'était notre deuxième point. Alors, cette fois-ci, je crois que nous allons toucher aussi quelques points en ce qui concerne l'actualité, parce que ce qui est vrai, je me rappelle, je vais vous faire voir quelque chose. Je voudrais que ce soit quand même avant que la réalisation puisse nous proposer cela. Moi, personnellement, je vais déjà vous faire voir la chose, comment ça se passe. Il y a une vidéo qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux. Alors, pour nous permettre quand même tout de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que pendant que nous nous suivons, vous également, vous suivez, parce que Jordan est là, il est présent, il va... Bon. Je crois que nous avons suivi les images. Vous également, vous avez suivi les images. Je me rappelle, ça date de très très longtemps. Je crois en 2001, si je garde bonne mémoire, en 2001, il y a le prophète Denilès qui insiste et qui parle de vous. C'est vrai, à cette époque, vous étiez vraiment petit. Mais il ne cessait de parler de vous.
puisque Dieu était en train de vous utiliser puissamment déjà à cette époque-là. Aujourd'hui, nous tournons tout autour de miracles, miracles montés, makiona et tout. Et du coup, ça fragilise un peu. Les gens se disent, c'est comme si nous avons mis la ça là, la montée. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont, parce que c'est un renfort. Et à côté de toi, makiona, à côté de Mbikudi, Babikola, Babatou, Mise Mananzo, toi, Moutou, tout le monde, en attendant, ça ne paye pas, pas solide en haut. Et bien, ici, sous-vêtements, il y a moins de Nakati. Alors, on se pose beaucoup plus de questions dans Katia Makampo. Tout autour de même serviteur de Dieu, nous voyons un spectacle. Le show, prophète, et Wingé, prophète, et Fali, prophète, et plusieurs artistes et musiciens aujourd'hui, c'est vrai, banalisent et belé au salama tout autour. Naïe. Il vous a toujours considéré. Votre réaction par rapport à tout ça? Bon, déjà, je ne sais pas réagir en ce qui concerne les aînés. Le prophète Denis Lessi, le prophète des nations, c'est Ajnaé dans le ministère. Et puis Ajnaé étant papa, moi à mon âge, na vole kana TVT na contredire o yazo sala to o ye azoloba parce que déjà peut-être les gens ne le savent pas aussi, je vais le dire, ba libosona le kana TV na loba bo mot Alexandre na TV za denilesi à découvrir ngabi téléphone le kana TV. Je me rappelle très bien de ce qu'il m'a dit à l'époque, ça date de très longtemps. Mais aujourd'hui, le pasteur Denis Lessi sait très bien ce qu'il est en train de faire. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec le vieux. Mais je ne peux pas dire à la télé, t'as la vieille place, une fois ça, la bonne place, une fois ça, la bonne. Le jour où il aura l'occasion, où j'aurai l'occasion de le voir, non, et puis ça est, non, et puis c'est clairement que... Là, je ne parle pas de miracle, je parle du fait que... Le vieux se permet à tout le monde de le poser n'importe quelle question. Aujourd'hui, le prophète des nations, le prophète Denis Lessi, qu'on a appelé autrefois le prophète des nations, a combiné éléments et divertissement. Que prophète. Il est plus dans le divertissement que prophète. Alors qu'il a une église, il a une famille. Congo ton dimaï, mais aujourd'hui que ce batin des lieux vidéo, prophète Denis Lessi, et là quand il voter la vidéo, ben dit dans Oseka, pour éviter dans Oseka. Donc on ne suit plus le prophète Denis Lessi pour tout pambo la mande zalaka la tout landaé pour abénir biso, mais on commence à suivre le prophète pour rire. Ouais, et c'est très dangereux, c'est très dangereux. J'ai lu la Bible dans Juges. L'histoire de Samson. Samson qui était juge en Israël, l'homme fort qui combattait le Philistin. Et donc, Israël, Mobimba, reposait Kondima Labango sur lui parce que Dieu l'avait choisi et Dieu l'avait envoyé. Et le jour où Samson avait perdu ses cheveux, Samson ne s'est pas vengé pour ses cheveux. Mais quand Samson, on l'a troué les yeux, il a dit à Dieu à permettre et à tirer vengeance pour ce que les Philistins ont fait à ses yeux. Alors un prophète, une fois que le média est bomi au misou, parce que média au eko bomo misou peu au koti wenge, au komino kobeta masola wenge, au komobeta masola football, au komobeta masola, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, son gana koui na piqué crise le lona koui. Jonathan, Joas, Simeon, le prophète Denis Lessi, le roi de l'Ekinama. Je n'ai pas un conseil à donner aux vieux, mais je crains. Je crains que, avec les mots, il fait le buzz. Il est dans l'actualité. Donc, je suis comme le cas de la vidéo.
mais l'aveuglement au ezo kendewana, il n'est plus une bénédiction pour l'église. Ma besiko yangwana, il est devenu le quoi Samson. Tu vois Samson quand on l'a troué les yeux, on a des souvenirs. Moi, mon Ezès, tu as commis élément et divertissement pour le Philistin. Je crains que le pasteur devient, ou le prophète Denis Lessi, qui est un papa que je respecte beaucoup, na casquette nyonso, comme étant un homme de Dieu et comme étant un papa. Quelque part, on ne sait pas l'approcher au PC, au YBC, Makambo, Batubaolo, Banassese. Mais le jour où j'aurai l'occasion, et Yambanga, je le dirai certaines vérités, qu'il fasse attention au lieu d'être une bénédiction pour l'Église, à Koma, élément et à divertissement pour l'Église. On comprend. Le lot de la journaliste, quand ils sont, bah, ben, ils sont pasteur Denis Lessi, bah, poser ma question, t'es comment on va Arche? Qu'est-ce que tu es en train d'organiser? Arche, Zanengenini, Mikolo, tu vois, séminaire, thème européen, Zanini, Marambo, Zanengenini. Est-ce que croisade, moi, bah, ma main au Salama? Est-ce que, on ne parle plus de ce qui est spirituel, mais on veut qu'il, bah, ben, c'est pour la polémique. Alouba Makambo, Batouba, c'est caca. A Kretcha Kakoto, Batouba, c'est à combien d'éléments il y a divertissement. Quand un homme de Dieu, quand un visionnaire perd ses yeux, perd la vision, il devient élément il y a divertissement. Prophète, vous êtes prophète. Un serviteur de Dieu peut se servir de son église ou chère église pour et comme base naïe. Alouba la politique, avec Tamasolom, Soussou, une chère. Non. On est cher. Cher, c'est pour la bonne nouvelle. Okay. La bonne nouvelle du royaume. Même là, on a le banadu noir. Si tu as eu ma tang en église, je n'ai jamais ma tang à l'école à cher. Je n'ai quitté à l'assé. Je n'ai pas de communiquer à l'école. Ce commis à ma tang en quitté à l'assé. Parce que là, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. La chair, c'est pour la bonne nouvelle. La chair, on ne peut parler que de Jésus. Sur la chair, je ne peux même pas parler de mes habits, je ne peux pas parler de mes biens, mes richesses, mais combien je voyage, combien je pèse en dollars ou en francs congolais. Sur la chair, je ne parle que de Jésus et de ce que Jésus est capable de faire. Aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, la séduction. L'Église est séduite. Le serpent, au lieu que le serpent de Moïse vienne avaler les deux serpents de Pharaon, aujourd'hui le serpent de Pharaon a commis quoi avaler serpent et à Moïse. C'est-à-dire, Basalianzambe a commis qu'on a englouti par la politique. Tu vois, on peut donner son avis par rapport à la politique, mais qu'on commis ça, église, la base, autant à combo, il y a un homme politique, au bête à il y a politique. Au bois qui est là-bas, tout jeton, na chair. En tout cas, c'est, je ne sais pas, mais naza moi là, peut-être bango ba yebi kolekanga, mais na moi connaissance na yebi ama mwanzambe, je ne peux pas faire ça. Déjà ici, aux députés, campagne, na lexé a liboswa loba awa, jamais je le ferai, parce que ici c'est pour la bonne nouvelle. La chair, c'est pour la bonne nouvelle. Oh, même ceux qui n'aza, déjà l'église, on est au milieu du village. Je ne peux ni être oh na kota PPRD, na muto amutute, na muta Yesu, na muto ni à FCC ni à PPRD, na muta ni à cash. Okay. Et je le dis aujourd'hui. Je crois que tu m'as posé une question sur Mbo Kanabiso Mamunengezo Kende. Si on marche selon la volonté de Dieu. Mais c'est qu'on va répondre à une émission. Si le président, tout ce qu'il est en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu. Pas peur de le dire. Le président fait tout selon la volonté de Dieu, mais il ne respecte pas le temps de Dieu. Nzambako ebiso au bala, au bota, au voyager. Mais ce qu'il faut, c'est au bala, quand, au bota, quand. Si on respecte, c'est qu'on s'appelle embryément et bébissima kamounyonso. Le respect de temps, telle décision,
Oui, tu dois prendre cette décision, mais est-ce que c'est le moment de le prendre? Oui ou non? Est-ce que c'est le moment de faire ceci? Oui ou non? Est-ce que c'est le moment de toucher à cela? Oui ou non? Voilà. Merci beaucoup, prophète. Il y a quand même un bon nombre de gens qui nous appellent, ceux qui sont à l'étranger, qui ont besoin de votre réaction. Les gens disent, prophétie déjà du Mike, il faut tout zonga. Est-ce que bisous sont tout zonga, tonda mune ba zonga? Quelle attitude les gens doivent adopter face à cette situation? J'ai reçu beaucoup d'appels aussi hein, sur la prophétie de mon grand frère. Je l'appelle mon grand frère parce que c'est vraiment un grand frère pour moi. Peut-être pour Yébi Angoté, les gens aussi ne connaissent pas. Papa Roger Baka, c'est un grand frère. Mais ngana ndolanda papa Roger Baka à l'époque, ndolanda ipsanga asalande ni kwa kanga va verser na moto. Je crois soit l'année mission à Oseka. Je me rappelle à l'époque sur l'avenir de l'église, il y a Yébi avenue de l'église voilà, avenue Isekine, Istek, dans la zone Kota Wenza cité via Yébi. Donc voilà, vous voyez, il y a diversité des grâces. Dieu parle et ne dit pas de même chose au même moment. Dieu a dit au prophète Roger Baka, moi je crois en lui, je crois fermement en lui, je crois à tout ce que Dieu lui dit. Ok. Quand la prophétie vient, qu'est-ce que la Bible dit? Quand la prophétie vient, il faut discerner la prophétie, il faut examiner la prophétie. Et il faut prier aussi. Il faut prier au Yo Kapenzambe. Toi-même, oh yo yo ki babino ozonga Congo, Dieu te dit quoi? Est-ce que tu as prié pour ça? Est-ce que tu as prié? Toi-même, Dieu t'a dit quoi? Ozonga to ozonga te. Oh batum subazonga subazonga te. Vous voyez l'histoire parce que apparemment les gens ont peur de rentrer ou de ne pas rentrer pour le vaccin. Pour le vaccin. Je vais expliquer un truc peut-être qui va choquer le monde. C'était pas prévu que je le dise aujourd'hui. Aujourd'hui, le vaccin qu'on est en train de donner aux gens, ils ont bien été. Hein? Mais il y a un T666. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. C'est comme papa Mouboué a bali maman Labino. Papa na bino akufa les exemples. Ce que papa moko aye abali maman na bino akuti maman za dana bana nae. Et lokal boso papa na salani alinga apaiser autorité nae sur ses enfants. Si ses enfants vont les respecter ou pas. Si ses enfants les respectent ou pas. Vous voyez? Et lokal boso opé sa loi martiale. Loi martiale à partir d'aujourd'hui 18h. Moi na moté libanda. Alingatala so bana oba o respecter nga étant comme papa na bango. Ba bana yo so ba respecter. Bon o ezali boso to mekano. À partir d'aujourd'hui, mutu nyoso dimanche andoke nenanga église catholique. Ou que église catholique te en vana nanda kote. Ba tu nyoso ba mo kende église catholique. Vous comprenez? Après, à partir d'aujourd'hui, nanda kunangai chaque après 3 mois ba tu nyoso fo ba mela ki sia banyama. Ba tu nyoso ba mo mela ki sia banyama. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nuanceuse au salama, au confinement, aux pandémies, au couvre-feu. Et pourquoi Balouango et Bimara, moko monde entier. Il y a papa, nouvel ordre mondial. Bazumaka moi-même. C'est quoi bon meka que monde entier est exécuté en abat ordre en abat. Pour que le monde entier exécute et loco monde tout bang arisa maladie, maladie bomaka. Ok. Épidémie Moïsezo Bomabatou. Monde entier, il y a beaucoup de confinement. Il y a beaucoup de confinement. Monde entier, l'église est quand même, il y a l'église. Monde entier, couvre-feu. Couvre-feu, dites-moi. Bissonabino. Couvre-feu et pandémie. À quoi ça a à voir? Na moyinde ba bakenda ba zandu malade ko se propager mingi na moyinde na butu. Ouais. Eza nyonso bo me mabiso malé mais na 666. Pourquoi? Tant au monde la pandémie, il y a un confinement. Un vaccin, il y a un vaccin. Et ça, on peut dire que c'est un coup faté. Après vaccin, tant que marque de la bête, il y a 666 et il y a. Les gens n'auront pas peur de ça. Vaccin à corona, donc une manière de préparer les gens. De préparer les gens. Voilà. On est en train de préparer le monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand est-ce que ruine soudaine et s'abattre?
quand le monde criera sireté, paix et sireté. Mmh. C'est-à-dire quand le monde parlera le même langage. Pour que le monde parle le même langage, il faut qu'il y ait nouvel ordre. Aujourd'hui, le monde parle le même langage. Le monde entier, on parle de confinement. Le monde entier, on parle de couvre-feu. Après le couvre-feu, il y aura encore un confinement. Après le confinement, il y aura encore un couvre-feu. Le port de masque, c'est aussi un langage. Voilà, langage. Bisson soto loba, l'engagement. Bisson soto loba. Tant que tu koma, tu kendesiko, l'engagement. L'engagement, l'engagement. Le quoi, Joe Biden a eu pouvoir. Joe Biden a administration, les États-Unis vont perdre la puissance mondiale. La position qu'il a de l'aigle, les États-Unis vont perdre ça. Et quand il va perdre ça, il voudra chercher des guerres pour imposer sa supériorité. Na ba guerre a flouka créé ou na ba tuba na ba confinement, ba tuba na ba pandémie, ba tuba na ba maladie. Et ça, la siko que les gens commençaient à coller la banzala. Banzale ya ba tuba comme créer ba désordre, ba pillage. Calendrier on a pas ça. Calamingité dans ça là. Événement sur les nations, je vais prophétiser sur les nations, les choses qui arriveront dans le monde entier. Vous comprenez? Après, maintenant, quand les guerres et bandes partout, après le nouvel ordre mondial a imposé, bon, tout ça, sirété et paix. Sirété et paix. Donc, tout sécurisé, batou, paix, kimia et ya. À ce moment-là, que Jésus-Christ, c'est quoi? Comment l'occasion? Jésus est à la porte. Ok. Merci donc beaucoup. Pour répondre aux gens, c'est pas zongato, pas zongate. Moi, je vous demanderai de prier. Mm-hmm. Vous avez le Saint-Esprit, on a le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te convainc de rentrer, tu rentres. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas de rentrer, ne rentre pas. Donc, yoka, nzambe, yoka, o nzamba, o lobana, yo, yo mokope. Ça, c'est très important, c'est-à-dire voilà. Parce que nous avons souvent cette habitude là-bas. Ouais. Parce que la charge là n'est pas. Ouais, les gens aujourd'hui. Ne croient plus en eux. Il y a un bateau, nous sommes allés là-bas, on a bandeau tout. Ce qu'on nous a balobé, c'est qu'il faut soumander qu'on a en États-Unis. Mais jusqu'au moment où ils ont fait zonga, nous sommes allés. En fait, crois en toi-même, crois aussi que Dieu est capable de te parler. Dieu peut te parler aussi. Dieu peut parler. La prophétie du prophète de Papa Roger Baka, peut les a prophétie Mimi pour ceux qui sont à la diaspora. Il y a un bateau où ils ont touché, et là, il y a un bateau où ils ont touché. Vous voyez? Donc, Nzamba Sunga, Nzamba Sunga Bisso, Nzamba Mema Bisso. Je crois prochaine émission que l'on salle, on a Papa Alain, comme il y a un vaccin, comme il y a un vaccin, vraiment, il y a un vaccin par rapport à ce que Dieu m'a montré dans le vaccin. Na frolango, mais on va entrer en profondeur. Le vaccin ici est préparé dans le cas 666. Okay. Le vaccin, ça prépare, est préparé marque de la bête. Ce n'est pas ça marque de la bête, mais il y a un autre préparé. Tant que vaccin, il y a marque de la bête, il y a tout le monde en haut d'un GT. Tu as déjà un vaccin, il y a un corona, et ça, la vie, c'est un normal, alors qu'il y a un normal. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Je crois qu'avant, tout petit chaos, parce que tu as couru derrière le temps, je crois que la toute dernière question tourne tout autour de cet événement. Donc, école des guérisons, où déjà ils allaient organiser par Yomoko, bien sûr, directif au Jésus-Christ Nazareth, à Pesakio, pour la tienne, on a un sambela pour la bateau. Si tu as un problème, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Continue toujours à appeler, soit écrit. Vous qui appelez sur appel normal, n'appelez pas parce que ces numéros-là ne passent pas sur appel normal. C'est seulement sur WhatsApp. Donc, à travers ce numéro-là, vous serez en contact, bien sûr, avec lui-même. Si vous ne serez pas reçu par un secrétaire, mais lui-même sera disponible pour vous recevoir. Homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On vous laisse quelques minutes pour la prière et puis les orientations par rapport toujours à cet événement. Voilà, je vais prier et je vais dire à ceux qui ont des problèmes de conception, de couples qui ont des problèmes de conception, Nzamba ke lane yote po ozala na problème wana. Donc nous sommes en train de prier que ce jour-là soit le jour de votre délivrance. Nous sommes en train de prier que ce jour-là soit le jour de votre miracle. Donc je vais prier, si tu me suis, si tu vas suivre cette émission, tu as un problème de conception, je mérite te dire, rien n'est impossible à Dieu, peu importe ton âge, et Jésus-Christ gagne toujours.
Non, les sorciers de ta famille, les sorciers du village ou les sorciers je ne sais d'où ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir, ne peuvent pas empêcher la volonté de Dieu. Dieu gagne toujours, Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il combat au bundisa maternité na yopo ayebi bana o kobota. Bon simba mokili o bon ningisa mokili o. Alors je déclare sur toi, je prie, peu importe le temps que ça prie. Cette année tu toucheras ton enfant. Cette année tu toucheras. Cette année tu n'avorteras pas. Cette année il y aura pas de fausses couches. Cette année tu toucheras. Je vois des gens même ebanda kingai après ebimi nango. Mais non, cette année tu toucheras cela. Cette année tu vivras cela. Scelle cette parole, scelle cette prière par le sang de Jésus et tu vivras ces choses s'accomplir. Nzambe a pambola yo, nzambe a touché yo, nzambe a visité yo, peu importe maladie na yo, peu importe si kozo landa biso, rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement et Dieu va te visiter. Je l'ai vu le faire, je l'ai vu toucher, je l'ai vu guérir, je l'ai vu visiter, j'ai vu le paralytique marcher, j'ai vu les aveugles voir, j'ai vu des femmes qui babo taraté babo ti d'ailleurs. Il y aura des témoignages, les gens vont passer pour témoigner la main de Dieu. Donc, soyez bénis chez vous. Nzamba pambo la bino, apambo la ba famille na bino, misala na bino, apesa bino, oyo, bokende ko luka à l'étranger, tout comme ba obazawa na Kinshasa, nzamba kokisa ba posa ya mitema na bino, na kombo na Yesu Masia. Amen. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Ici, un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser!